Vous connaissez tous Mohamed Ali, rahimahullah, qui est mort musulman, le grand boxeur. Pour ceux qui sont plus jeunes, boxeur des années 70, etc. Très longtemps, mais un des plus grands boxeurs de l'histoire. Et Mohamed Ali, il avait des fois, il a dit certaines déclarations, certaines... Vous savez, dans le monde de la boxe et du sport, surtout de la boxe, hein, il faut un peu se la raconter. Hein, dans, quand il y a la pesée, par exemple, chacun vient, il faut... Hein, il faut montrer ses muscles, il faut dire des paroles. Ça fait partie du show un peu. Et Mohamed Ali, des fois, il a dit des paroles graves qu'il a regrettées par la suite. Il disait par exemple, il disait même dans une cabine téléphonique, si tu veux me frapper, tu ne vas pas me toucher. Et pire que ça, hindou, un jour il a dit, je suis Dieu. Astaghfirullah. Il a dit, je suis Dieu. Plus tard, Mohamed Ali, il a fini sa vie, il était malade. Il avait la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est quelqu'un, quand il tient quelque chose, un objet, il est comme ça. Qu'Allah, il nous en préserve. Vite, amin. Afanallah wa iyyakum. Il faisait que de trembler comme ça. On le voit aux Jeux Olympiques d'Atlanta, il allume la flamme olympique et il tient la flamme et elle bouge comme ça. Regardez ce que lui-même dit, c'est pas moi qui parle, c'est lui-même. Pour vous dire que lui-même, il a compris pourquoi il est tombé malade, pourquoi il a été éprouvé. Il a dit, Dieu m'a donné la maladie de Parkinson pour me montrer que je n'étais qu'un homme comme les autres, que j'avais des faiblesses comme tout le monde, c'est tout ce que je suis, un homme. Lui-même, il a compris que même si tu es fort, peut-être le plus fort sur terre, même si ta droite elle est dévastatrice, t'es qu'un être humain. Aujourd'hui t'es fort et demain tu seras un vieillard en train de marcher avec ta canne.